Sympa ta nouvelle caisse. Pardon. Sympa ta nouvelle caisse. Entendu. Sympa ta nouvelle voiture. T'entends pas. J'entends plus personne quand je suis sur le bagnole. Mais François, il a une nature comique incroyable. Ça fait vraiment penser à des De Funès ou des Bourvil, enfin des, vraiment des natures comme ça tellement fortes. Tu peux ressentir en tournant. Pour moi, François, c'est un poème. Quoi ? J'aime infiniment. Je m'en rends. J'aime ce qu'il est. J'aime sa folie. Oh ! Tu me regardes ? Ta gueule. Ta gueule. Mais me dis pas ta gueule ! Je pensais que vous seriez plus à l'aise. Le fait d'être trop dans la vue. Il a un humour d'abord qui lui est particulier, que j'aime bien. En même temps, il est toujours sur le... On sait pas trop, c'est que j'aime bien. N'exagérez pas, c'est en location. C'est un blagueur, il est toujours un peu comme ça en porte-à-faux. On va trouver une solution. Il n'y a pas de problème avec des solutions, comme on dit toujours. 15 sur 1, 3ème. Et c'est quoi ? Bah, je sais pas où. Oui, mais c'est de la part de qui, je veux dire ? François, il a un truc qui est formidable. Parfois, il a des micros absences. Pascal, sur le film, s'appelle Christine. Et je pense que pendant 5 semaines, il l'a toujours appelé Christine. Ouais, qu'est-ce que tu me fais, Christine ? On avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux entre nous. Et à la 6e semaine, il s'est mis à l'appeler Christiane pendant les prises. Mais Christiane, qu'est-ce que c'est que ça ? On a dit qu'on se faisait pas de cadeaux. Et parfois, il se gourait, il m'appelait Jacqueline. Et ça, c'est, bah, c'est François, ça. C'est super drôle. Alors là, c'est quand il m'appelait Jacqueline avec l'accent belge.